bonjour, c'est Yuri. Je vais vous présenter aujourd'hui la CS10 de chez Woodbrass. Alors, c'est une guitare classique qui a comme particularité d'avoir une table, les éclisses et le fond qui sont en tilleul. Le manche, pour lui, va être en bouleau ainsi que la touche. Donc, c'est une guitare classique qui est assez légère, qui est très bonne pour les débutants. Elle est livrée avec un accordeur dans un emballage carton finement soigné avec sa housse. Alors pour la démonstration, j'ai décidé de la pousser un petit peu dans ses retranchements, histoire de voir jusqu'à où on pouvait aller avec cette petite CS10. Effectivement, la CS10 est pour moi une guitare pour débutants. Elle est très bien équilibrée, très polyvalente, mais je pense que ses caractéristiques avec le manche légèrement épais, mais quand même pas trop pour une classique. J'avoue que là on est plus dans la largeur, on n'est pas sur un manche extrêmement épais non plus. Le son, lui, est assez chaleureux, assez équilibré. Je pense que pour ceux qui ont la passion de la guitare classique, c'est vraiment une bonne guitare de démarrage. Pour ce qui est de la qualité des bois, franchement, les finitions sont impeccables et la guitare n'a pas le moindre défaut au niveau de l'usinage ou de la construction, donc c'est vraiment un beau produit. Les cordes en nylon sont magnifiques, elles sont soignées, elles sonnent bien. Elles n'ont pas pris beaucoup de temps à s'accorder, ce qui est vraiment important parce que quand vous achetez une guitare neuve, avec des nouveaux jeux de cordes, forcément, elle va prendre du temps avant de se faire, avant que le son soit vraiment net, quoi. Parce qu'elle va se désaccorder assez régulièrement, donc j'avoue que pour le coup, c'est une belle guitare, c'est vraiment une belle guitare. Même la touche est soignée, il y a de belles finitions dessus. Je la recommande vraiment fortement, voilà. Donc, pour ce test de la CS10, je dirais que c'est approuvé. Et vraiment, je la recommande à tous ceux qui voudraient commencer à se mettre à la guitare, peu importe le style, histoire de développer votre doigté et votre oreille.